Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Gear of War Judgment. Mais pas le Judgment, c'est le Judgment Gear of War 3. Donc un petit récap pour ceux qui n'auraient pas regardé mes vidéos. Et voilà, Azura. Donc je me Pas de tais. photos, mais plein de données et de cartes. Amuse-toi bien. Mais c'est une île. Comment on peut cacher une île? Un bouclier d'énergie, je pense. Waouh! Un ouragan artificiel autour de l'île. On dirait que le seul moyen d'y accéder, c'est de passer par en dessous. Un vieux sous-marin au chantier naval d'Endivor. Bon, Berg, Cole, allez chercher de l'aide. Sous-marin ou pas, sans renfort, on est baisé. Il nous faut des véhicules, des armes et des gens qui sachent se battre. Je sais où on pourrait regarder. Pas question de retourner là-bas! Je déteste cette foutue ville. Ah bon? Et pourquoi? Longue histoire. Il n'y a que la CGU pour faire autant de bruit. Pas Duc? Tu peux ranger ton arme, je crois. On a besoin d'aide. Et d'un bateau. Alors suivez-moi. Bienvenue à Alvo Bay la Magnifique. Ok, donc, non, pour ceux qui n'auraient pas regardé mes années. Vidéos, c'est comme ça qu'on l'aime. Dans Gear of War 3, en fait, il y a un passage juste... où, comme vous l'avez compris dans la cinématique, Baird et Cole partent dans un endroit pour aller chercher un bateau ainsi que des renforts, comme c'était dit dans la vidéo. Donc, nous voilà rendus dans le fin fond du trou du Comment cul du monde pour récupérer notre bateau, s'il y en a un. Et la vague faisait la taille d'un des combattants, s'il y en a plein. Donc c'est parti. C'est par là qu'on va. Let's go. C'est là que tu vis. Donc cette pour partie de jeu est uniquement accessible sur Gear of War Judgment. Si vous n'avez pas Gear of War Judgment, vous ne pouvez pas faire ce que je suis en train de faire en fait. Ah. Je crois qu'il a eu peur. Attendez, on l'a vu partir, les gars, il tire dessus, tu sais. Réaliser 250 tirs, ah, ça a dû reprendre sur ma. Oh, c'est étonnant. Réussir 250 tirs au long. Ah ouais, étonnant. Parce qu'il me semblait que je les avais déjà obtenus lors de mon premier run que j'avais fait sur le Gear of War Judgment, mais pour le coup. Vous faites pas dans la discrétion, vous, hein? Ouais, très étrange, faudrait que j'aille voir ça, tiens. Enfin bref. Oui, ce Gear of War Judgment, maintenant ça va faire un petit bout de temps que je l'ai fait quand même. Chronologiquement, c'est le premier Gear à faire. Donc si des personnes ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire, il est pas mal aussi. Il me semble par contre que c'est un autre studio qui a dû le faire. C'est pas ceux qui ont fait Gear of War 1 et 2. Et le 3, hein, ça doit être un autre studio. Je veux pas dire de bêtises hein, parce que je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est ça. Ok, donc je suppose. D'accord, qu'il va falloir. Ok. Je veux dire, je suppose qu'il va falloir que j'attende que ça se. Bon, ça va, c'est tout simple en fait. Voilà. Rappelez-moi, pourquoi on prend cette armure déjà? Ouais, mais au moins t'es vivant. Essayez de trouver un interrupteur pour bouger cette saloperie. Ok, je croyais que c'était des munitions, moi. Bah non, c'était ok. Bah, j'ai vu que ça brillait, je me suis dit, tiens, des munitions. Ok, donc faut trouver l'interrupteur, bah qui doit être là. Et bah c'est ça. Ah, c'est pas pour non. Le bon, merde. Ah bah il y en a un autre là. Ok. Ah je suis passé à côté, je l'ai même pas vu.
Ok. Ah, là, c'est des munitions. Donc, le personnage de Paduk, lui, par contre, il est dans Gear of War Judgment. On ne le revoit pas dans les autres parce que, alors, de souvenir, je. Encore une fois, pas dire de bêtises, mais de souvenir, il démissionne. Et du coup, je crois qu'il décide de rester avec les parias ou je ne sais quoi. C'est normal, ce Bah, ça brouillard? devient un paria vu qu'il démissionne dans tous les cas, mais. Rien n'est normal ici. Je suis le seul à entendre ce bruit. C'est quoi? Ah, coucou! Oh, j'ai. Ah non, c'est pas mignon, non? Oh, bah, super. Le dieu de la visée. Je suis dans ton camp! M'en fous, je vois un monstre, je tire. T'es à côté ou pas? C'est pareil. Est-ce qu'il y en a. Oui, il y en a d'autres, je les entends. Ah, mais je les vois, même. Coucou! Allez hop, ça c'est fait. Voilà. Oh là, ma vie. Ah, bah non, 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 hop là, roulade en arrière. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Non, mais les gars, par contre, venez pas tous en même temps, laissez-moi au moins un petit peu avancer parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ok, donc en fait, j'ai juste à leur tirer une fois dessus et logiquement, ils font badaboum quoi. Un peu comme des petites grenades, juste leur laisser quelques secondes pour qu'ils explosent. Ah, par quel côté? Oh, bah ça va. Il a eu peur ici, il dit attends, je préfère me suicider et exploser tout seul que de me faire tuer. Ah, je sais pas où je les ai envoyés les autres, mais ils y sont partis. Ouais, très étrange ces trucs là qui apparaissent en bas de l'écran parce que. Je l'ai fait, j'ai joué à Gear of War Judgment dans tous les modes de difficulté, donc logiquement je devrais largement les avoir derrière ces portes. Débloqué ces petits trucs. Paduk, on va vers cette plateforme, c'est ça? Arrête de geindre, c'est plus près que ça. Ah non. Continuons. Exact, bah oui, j'ai pas pris sur ma sauvegarde. C'est vrai. Bah c'est pour ça alors, tout s'explique. Mais du coup, merci de m'avoir précisé ça. Alors la question est, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma sauvegarde de base alors? Enfin bref, la question n'est pas là. On va se mettre dans le jeu là, tranquille. Hop, on prend les munitions. Et on y va. Y a pas d'ennemis ou quoi là, à part des snipers qui sont de l'autre côté là-bas, mais oh. Le sulfateur. Où ils sont passés? Ah, ils ont disparu. Là, vous êtes où? Repliez-vous et mettez-vous à couvert. Ah, c'est qu'ils ont envoyé des espèces de fumigènes ou quoi? Eh oh, on se calme. Non mais oh. Ah merde. Tiens, allez hop. On discute pas là. C'est qui ça? Ah, c'est mes collègues. Pardon, excusez-vous. Voilà. Mais où? Et où? Ah! Ah! On se précipite pas pour vous aider. Allez, Paduk, merci. Tiens, tiens. Oh, un boomer. Ah ouais, c'est vrai que j'avais complètement zappé ça. Dégage, dégage, dégage. Voilà, c'est bien. Ah, il y en a un qui est à terre. Bah, démerde-toi! Non, je déconne, j'arrive. Ah bah d'accord. Bon, bah, quand je décide de venir pour te sauver, c'est là que quelqu'un décide à te sauver. Donc, du coup. Ah ouais, punaise. Je m'en souvenais plus du tout de ça. Ouais, parce que ça, du coup, ça y est pas dans Gear of War 1 et 2 et 3. Et du coup, j'avais un petit peu zappé. Ah, quand ils se mettent en mode vénère comme ça, là, ils sont chiants, ils sont super résistants. Alors la question reste, est-ce que ça va être juste un petit chapitre qui va durer peut-être une demi-heure, une heure, ou est-ce que ça va être vraiment un bon passage quoi, du genre qui va faire sur 3-4 vidéos, je sais pas.
tout cas, une chose est sûre, c'est que là, je vais pas jouer pendant une heure. Pas faire comme la dernière fois. Ok. Alors. Alors c'est qui ton peuple ces jours-ci, okay. Baduk ? Si les gens viennent ici, c'est en partie parce que personne ne leur demande pour qui ils se sont battus. Ok. Bon ben je les vois se diriger vers la caisse là. Quand même, les gars. Vous avez la mémoire courte, c'est de là où on vient. Quand même. Ok. Je descends dans les tréfonds de cette ville toute pourrie. Il y en a au moins 20. Si vous êtes discret. Tu plaisantes ? La discrétion, ça nous connaît. Oh bah oui, carrément. Tip top de la discrétion, on peut pas faire mieux. Hein. Franchement, là... honnêtement du franchement... ils vont pas nous voir passer une seconde. Telle une ombre dans la nuit. En plus, y a pas d'ennemis, donc du coup... Ok. Plus de courant. Le générateur a dû lâcher. Il est quelque part dans le coin. Pourquoi à chaque fois faut allumer des générateurs, faut remettre le courant? Non mais les gars, on est bien dans le noir aussi. Je veux dire, pourquoi on va pas directement chercher un bateau ou une armée, je sais pas. Moi, au lieu de se faire chier à remettre l'électricité alors qu'on s'en fout totalement. Tout ce qu'on veut, c'est défoncer des portes. Et tu es du méchant locuste. Je croyais que cet endroit était abandonné. Avancez. Alors attends, est-ce que je vais pouvoir l'avoir lui? Je fasse gaffe à ma vie. Ok. Donc, on va peut-être éviter... ah si, attends. Ah non, bah ok, je voulais me cacher... je voulais me cacher derrière l'espèce de petite cabane en bois. Mais du coup, non, hein, on va pas s'embêter. Quoi? Ah, c'est ok. Ah, je m'en fous, il y a un locuste. En plus, t'es à terre, donc du coup, attends, je vais te sauver. Hop, roule ma poule. C'est bon, j'ai pas fait exprès de te tirer dessus non plus. J'ai éternué, le doigt était sur la cachette. Alors, du coup. Allez, tiens, prends-toi ça, toi. Petit coquinou. Vilain pas beau. Ok, donc. Ah non, c'est mes collègues, pardon. Excusez-vous, les gars. Excusez-vous d'être là. Dans le passage, comme à chaque fois. Est-ce que je peux dégommer la lumière? Non, ok. La 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 la. Aïe. Oh, attends. Voilà. Ah, je vais tirer dans le cucu, il y a son suppôt qui est sorti. Mais je vais le ramasser, tiens, je suis un gros dégueulasse. Ok, donc pour le coup, on va se mettre... j'allais dire à couvert, mais bon, j'ai juste une roulade, du coup. Voilà. Je vous aide un petit peu les copains, moi, quand même. Hein? Ah, 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 voilà. Ok. Attends, c'est qu'il y a toujours de la musique. Donc, du coup. De quoi? Encore des larves, merde. Si jamais les gens de mon camp sont blessés. Hé, hey, pourquoi c'est ça notre faute? Ça fait des mois qu'on n'a pas vu un locuste ici. Ah, mais c'est une coïncidence, ça, je veux dire. Comment pouvions-nous savoir que les locustes allaient nous suivre? Étant donné que Marcus est quand même la tête d'affiche au niveau de la recherche de la reine Myra, là, c'était pas évident, hein, à savoir. Même si les locustes sont partout. Encore.
Hop là. Ouais bah c'est bon, on a compris, on entend le bruit, hein, on n'est pas sourd non plus. Menoy. Allez les gars, vous allez tous mourir. Ou vous allez tous me tuer, je sais pas. Bon, en tout cas, il n'y a plus de mortiers maintenant. Ils sont tous dispersés. Ah si, bah il y en a encore. Bon mais pour le coup j'ai rien dit les gars. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, ils ont dû se prendre un petit mortier sur la tronche. Voilà. Bon, est-ce qu'il reste un mortier ou pas? Non, on dirait pas. Oh, je vois de la poussière là-bas. Oh là, c'était quoi ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est le one shoot ça, non? Parce qu'avec le one shoot, quand on... Bah, qu'est-ce qu'il fout lui? Non, mais je te jure. Le one shoot, c'est ça, hein, on vise et puis ça fait tit tit tit. Oui, j'imite à la perfection les sons de jeux vidéo. Je crois que je vais en faire mon futur métier. Si un jour dans un jeu vous avez une arme qui charge et que ça fait tit tit tit, c'est que c'est moi qui fais le bruitage. Et Dieu sait que pour vous, je me donnerai à fond. Non mais les gars, cachez-vous mieux quand même. Bon, une IA pas très intelligente, je veux bien, mais il y a quand même des limites à la connerie, quoi. Non, le mec, il se cache si on voit la moitié de son corps qui dépasse. Bah, vas-y, toi, tranquille. Ouh, le tronçonneur. Ok. Tiens. Oh, mais non, je voulais me le tronçonner, celui-là. Putain. Oh, toi. Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas grave. Tiens, allez hop. Je lui ai montré comment on pouvait faire pour regarder derrière soi sans se retourner. Juste en tournant la tête. Peut-être reculer un peu, hein. On va pas faire le foufou non plus parce que bon. J'ai tendance à y aller un peu tête baissée de temps en temps. Oula! Elle a fait mal celle-là. On va se calmer 5 minutes, voilà. Hop, munitions. Ensuite. Et mince. Voilà. Le compresseur. Ok. Là, ok. Première catégorie. Point de ravitaillement, ok. Restez groupés. Donc si je meurs, je reviens là. C'est bon à savoir. Ou pas. Ah, une porte ouverte, allez, venez, on va la défoncer. Au moins les larves ne sont pas arrivées jusqu'ici. Mon camp est juste derrière cette porte. Ça a l'air... accueillant. Oui. On a du vin et du fromage qui nous attendent. Allons-y. Oui, puis je vois que les peintures ont été refaites aussi. C'est mignon. C'est cosy. Quelqu'un? Oh! Personne ne surveille la porte, pas du... Mais du coup, c'est quoi ces sauvegardes? Il devrait y avoir un garde ici. Alors, vous êtes des parias, c'est ça? Non, j'ai pas coupé mon micro. Tout non, le monde ici s'est battu pour une cause. Il n'y a pas de parias. Excusez-nous. Et tu te bats pour petite qui, conversation privée. Ne qui ne l'est pas, d'ailleurs. Question débile. Waouh! Ils t'ont préparé un accueil sacrément chaleureux, pas du... Silence, il y a un truc qui cloche. Ouais, hey, il y a de la poussière par terre. Où est le bateau que tu veux nous filer exactement? Tu veux bien la fermer une minute?
Ah, il y a plein de passages, faut que je passe par où? Bah, faut que j'aille là-bas. Donc on va passer par là. Et ça va nous ramener... Ok, bon. Je suis sûr que je fais ça pour rien, ça m'énerve que... Ah, ça me saoule les jeux comme ça, sérieux. Il y a plusieurs passages, on prend les passages qu'il faut pas en se disant on va rien louper, on va peut-être tomber sur un bon truc. Et au bout du compte, non, que dalle. Donc il y a un générateur ici, les gars. Ça, c'est mauvais signe. De quoi? Le générateur... D'habitude, ces générateurs peuvent tenir plusieurs jours. Paduk, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, il n'y a plus de courant. Si tu ne l'avais pas vu... Hein. Oh non, c'est quoi ça? Ah oh. Oh et oh et on se calme, on se calme, on se calme, voilà, tapez les autres mais tapez moi pas. Ah bah d'accord, c'est en étant, je pense que c'est un ouais, pas de tilté sur mon boulot. D'accord, donc ça c'était les camarades à Paduk. Ah excusez-vous, hein, je vous tire dessus mais c'est chiant de rester dans le passage aussi là. C'est pénible. Ah non, sans déconner, hein. Je vous inviterai plus les gars. La prochaine fois je pars en guerre tout seul. J'arrive mon petit loulou. Voilà. Ah, il y en a qui ont profité pour venir par derrière. Le petit coquinou. Oh bah d'accord, super, je me dirige vers vous, il n'y a plus personne. Bon, on va en profiter pour recharger pour le coup. Ensuite... Je vais devoir l'ouvrir moi-même. Non. Si c'est encore verrouillé, ça veut dire que... Je sais ce que ça veut dire. Bah ça veut dire que tout le monde est mort, hein. Moi je le dis. On n'est pas dupes. Hein, Paduk ? Ok. Que dalle ! Chut ! Vous avez entendu ça, les gars ? Ouais, mais ils se démerdent. J'ai cru entendre sauve-moi, mais non, que dalle. Je me sauve moi, mais je ne te sauve pas toi. T'es mort. Mais faut passer par où là? Je vois rien, moi. À moi ça. Ils ont cassé toutes les portes, les vilains et vilains autrus. Ville malotru, hein. Donc, en gros, ça aurait été possiblement des gens qui auraient pu combattre à nos côtés, quoi. En fait, on va se taper à la recherche d'un bateau, mais on va être que 4, quoi. C'est quoi ce fusil à pompe de merde qui one-shoot pas les ennemis, quoi? Non, mais sérieux. Alors, soit je suis trop loin, allez, ou soit je vise trop mal, mais je pense que c'est les deux, en fait. Je vois absolument rien. Mais arrêtez de péter le plafond, putain! Et cette pièce était commencée juste à être rénovée. C'est pas possible ça. Ah non, je vous jure. Hein. Tiens. Vilain pas beau. Ok. Bon, allez, trêve de plaisanterie là. On va se mettre à la recherche d'une sortie. Ok. Toi, tu vas te lever ou pas? Ah, je me tâte. Hein. Ah, lui tirer dessus quand même. Bon, ok. Alors, pour le coup, je vais passer par où? Oh là là, cette voix merveilleuse quand je chante. Ah, faut que je m'inscrive à The Voice, hein. Tout le monde me le déconseille, mais je sens au fond de moi qu'il faut que je le fasse. Allez hop, ça c'est fait. Ah, voilà, la petite musique là, le petit ding ding dong dong là, qui retentit. Derrière ces portes. Oui, bon, on se doute bien, il y a une chaîne, on se doute bien que c'est là, ça brille. Par contre, les gars, je peux pas... Ah, attends. C'est lui, là, c'est... Carmine, tu fais chier, putain. Je pouvais pas accéder au truc. La question est... Je commence à être paumé. Ça fait combien de temps que je joue, maintenant? Il y a un ascenseur sur le toit pour accéder au pont de la plateforme. Ok. Et...
ça doit être là. Des munitions. Il y en a là. J'entends des bruits chelous. Oh oh. Ben voyons, fallait qu'on continue à tirer, hein. Bah oui, pourquoi pas, attends, en haut. On fait tout, hein, on n'est pas venu ici pour... hein. Proverbe, hein, on n'est pas venu déguiser en feuille de chou pour s'en bouffer le cul par les lapins. Donc, au bout d'un moment, on a des flingues, on a des munitions, faudrait peut-être penser à s'en servir. Déjà, moi j'ai essayé de détruire un truc qui ne peut pas se détruire. Ok. Alors pour le coup, ah. On peut monter par là. Ok, bon, mais pour le coup, je vais m'arrêter ici. Donc, j'espère que cette petite première vidéo sur Gears of War Judgment VS le pendant Gears of War 3 vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous en avez envie, et puis à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Gears of War. J'en vais l'appeler du coup conséquence, étant donné que c'est le titre. C'est le titre, voilà. Allez, salut et à très bientôt sur Gears of War conséquence.